peut emmener les gens, le public, dans l'histoire. Donc ça a été vraiment le travail qu'on a voulu scénariser, mettre en scène à travers différents niveaux, un peu comme on a dans un jeu, différents niveaux de jeu. Ici, on a différentes salles et on raconte cette histoire à travers différents espaces. Et l'idée, c'était qu'ici, il y avait un pavillon qui devait normalement ouvrir sur la machine à voyager dans le temps. Et les lapins crétins sont arrivés, nous ont envahis et ont revu cette attraction à leur sauce. Pour le Futuroscope, ce sont des moyens extrêmement importants qui ont été mis pour faire cette attraction. Et l'objectif pour nous, c'est d'être parmi les trois meilleures attractions du Futuroscope. Nous, il nous semblait tout à fait naturel qu'après la série, on puisse avoir un continuum qui soit dans la logique de l'expérience audiovisuelle, mais qui soit une expérience audiovisuelle physique. Là, ça a été un vrai travail de recherche commun avec Ubisoft, les équipes de Montpellier aussi. Adrien Nassek, qui connaissait très bien l'univers des lapins, nous a beaucoup aidés sur qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire, quel est leur univers. Il nous a un peu ouvert les portes des studios à Montpellier pour qu'on s'immerge là-dedans. On a fait des réunions de brainstorming en commun pour se dire une file d'attente, vue par les lapins crétins, ça ne peut pas être une file d'attente comme partout. Donc on a vraiment essayé d'apporter plein de petits éléments et on voulait, comme dans un jeu, raconter une histoire dans une attraction. Pour nous, en montage, en prod pure, il n'y a plus de cut, on n'est plus au cinéma. On rentre dans le décor et cette vision-là, on l'a eue assez tôt. Ce qui veut dire qu'on a succédé, on a fait une succession de scénettes comme ça dans lesquelles rentre le petit train qui nous fait nous balader. Donc cette collaboration était super parce qu'ils avaient une vision et qu'on a su la porter et l'amener au bout. En fait, parce que c'est y a pas tant de parcs d'attractions que ça dans le monde. Ubisoft l'avait jamais fait. Nous, on s'y était un petit peu frotté. Mais donc, utilisation de l'image telle qu'on l'a fait, de production d'image en 2D, puis en 3D, le jaillissement, puis en 4D en fait, avec le ressenti physique sur notre siège. Notre objectif, c'est de faire en sorte que sur l'ensemble du monde audiovisuel, nous puissions avoir une déclinaison des lapins. Et pourquoi pas des autres franchises, pourquoi pas un Assassin's Creed en parc d'attractions, pourquoi pas un Splinter Cell, qui permettent de faire vivre une expérience unique à nos clients et à nos consommateurs.